Oui, écoute, je m'y attendais pas du tout, mais alors là, pas du tout non plus. C'est une grosse surprise pour moi aussi. J'étais déjà tellement content d'être nominé dans les 5. Et puis, voilà, le fait de gagner, ouais, c'est vraiment une grosse surprise. Donc, voilà. Et une belle fierté également pour tout le travail qu'on effectue avec toute l'équipe Fleet au quotidien. Donc, ouais, voilà, beaucoup de fierté aussi. Le réseau, les concessionnaires, m'a suivi en masse. Et ça, c'est aussi une preuve, une reconnaissance. Comme quoi, on travaille très bien, on a une très très bonne relation de travail avec les concessionnaires. Bon, on a un très gros réseau de concessionnaires aussi. Donc je sais que ça a probablement joué beaucoup aussi, mais parce que ils travaillent énormément en matière de fleet. Et nous, nos équipes travaillent également très très bien avec eux. Donc, sur ce côté-là, ça a joué. Et puis alors, du côté plus personnel, au niveau des relations avec les sociétés de leasing, je pense qu'en 2 ans, j'ai réussi à construire une relation de confiance avec eux. Grâce aussi à Philippe Boven, qui m'a précédé dans la fonction, qui m'a introduit aussi dans le milieu du fleet que je ne connaissais pas très bien. Et donc, voilà, c'est aussi énormément, en fait, finalement, c'est énormément de relationnel.